Seigneur, toi qui as éclairé le firmament par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le créateur du monde visible et invisible. Sœur Claire, septième dimanche de l'année A. De l'année A. Et oui. Ordinaire. Saint Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 48. Pas partie des passages les plus faciles à vivre de l'Évangile. À comprendre, oui, mais à vivre autre chose, c'est autre chose. Alors en fait, on peut dire que c'est le développement d'un verset qu'on a entendu le dimanche d'avant, c'est-à-dire le verset 20 du chapitre 5 de Saint Matthieu, où il est écrit... Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors là, justement, c'est une question de surpassement, de dépassement, de débordement d'amour, y compris pour les ennemis. Il faut que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens, des savants, de ceux qui connaissent la loi, sachant que notre justice, c'est notre manière d'être ajusté à Dieu. Alors Jésus ici rappelle de quelle manière être ajusté le plus parfaitement possible à Dieu. Alors on peut dire qu'il y a deux parties, hein. Il y a le verset 38 à 42 et ensuite le verset 42 à 48. Je vais commenter l'un après l'autre. Alors verset 38 à 42, c'est la patience, la longanimité. Si on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, eh bien moi je vous dis, celui qui te gifle sur une joue, ben tu lui tends l'autre. Bon, on n'en meurt pas d'une gifle. Après, la légitime défense, c'est autre chose. Mais la gifle, bon, on n'en meurt pas. Et puis, bon, chaque chose en son temps, c'est l'Esprit Saint qui doit nous guider. Mais il n'empêche que Jésus nous demande instamment de déborder d'amour pour les autres et d'être patient. Et en fait, quand on relit bien tout ce qu'il nous demande, hein, le maître mot, ça pourrait être « imiter la patience de Dieu en retrouvant la maîtrise de soi ». C'était un cadeau qu'on a eu avant le péché originel. Comme c'est dit au livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et comme notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux, les bestiaux, toutes les bestioles, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Les bestioles qui rampent sur la terre, bon, c'est Satan, etc. Et tous les autres, à part les oiseaux, ça représente les tentations, le mal, les esprits mauvais. On a reçu le pouvoir de dominer. D'ailleurs, comme ça que relit le récit de création, qu'il est relu pardon, dans le livre du Siracide ou Ecclésiastique, au chapitre 17, versets 3 et 4. Il est dit que Dieu les a revêtus, hein, les hommes quand il les a créés, il les a revêtus de force comme lui-même, à son image, il les a créés. À toute chair, il a inspiré la crainte de l'homme pour qu'il domine bêtes sauvages et oiseaux. Enfin, les oiseaux, c'est l'aspiration à aller vers Dieu, qu'il s'agit de cultiver aussi, en fait. Bon, donc, le Siracide rappelle qu'on a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on a reçu la royauté sur nous-mêmes. Ce que Saint Paul appellera dans les dons de l'Esprit-Saint, la maîtrise de soi. Galates 5, 13, ça fait partie des dons du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que c'est pas évident, spontané et naturel. On doit le recevoir du Saint-Esprit. Galates 5, 13, Galates 5, 13. Vous, en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair, mais par la charité, mettez-vous au service les uns des autres, etc. Bon, ensuite, il est question de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis finalement, le fruit de l'esprit, ça c'est le verset 23, je viens de dire le verset 13, verset 23, le fruit de l'esprit est douceur et maîtrise de soi. La maîtrise de soi qui est complètement en lien avec la liberté. Pourquoi le Seigneur nous donne toutes ces exigences qui surpassent tout ce qu'on peut imaginer? C'est parce qu'on a été créé libre. Et c'est dans la liberté qu'on peut exercer la patience et la maîtrise de soi. Il est dit, par exemple, dans les Proverbes, au chapitre 16, verset 32, Proverbe 16, 32,
Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un héros. Mieux vaut un homme maître de soi que celui qui conquiert les villes. Vous voyez, on est plus héros et plus conquérant en étant maître de soi et en exerçant la patience et l'amour du prochain à l'image de Dieu qu'en étant un héros qui va conquérir un tas de choses. Et c'est ce qui fait qu'on ressemble à Dieu, qui lui est infiniment patient et miséricordieux, comme nous le dit la parole de Dieu. Je reviens encore au Siracide, à l'Ecclésiastique. Alors cette fois-ci au chapitre 18, versets 11 à 13, c'est pourquoi le Seigneur use avec eux, eux ce sont les hommes, use avec eux de patience et il répand sur eux sa miséricorde. Il voit, il sait combien leur fin est misérable, c'est pourquoi il a multiplié son pardon. La pitié de l'homme est pour son prochain, alors pitié, là on pourrait traduire par miséricorde, hein. Mais la miséricorde du Seigneur est pour toute chair. Il aime tous les hommes, il veut faire miséricorde à tous les hommes, il est patient envers tous les hommes. Ce que Saint Jacques nous redira d'une autre manière, en nous présentant comme exemple, évidemment, le Seigneur Jésus. On vit les yeux fixés sur lui pour lui ressembler. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, il ne vous résiste pas. Voilà, c'est ça la patience du Seigneur. Ou encore, dans la première lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 1, verset 16, c'est Saint Paul qui chante la miséricorde et la patience dont il a été l'objet. « S'il m'a été fait miséricorde, c'est pour qu'en moi, le premier, Jésus-Christ manifesta toute sa patience, faisant de moi un exemple pour ceux qui doivent croire en vue de la vie éternelle. » Voilà comment Saint Paul relie ses recommandations du Seigneur. Il en a lui-même fait l'expérience. C'est pour ça qu'il s'est converti grâce à la patience de Dieu, à la patience de Saint Étienne qui n'a pas résisté, qui a prié pour ses ennemis, etc. Nous le savons. Et encore, dans la deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 3, verset 9, voilà ce qui est dit, où il est question de la patience de Dieu. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis, comme certains l'accusent de retard, mais il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Cette attitude face au prochain a pour but leur conversion et qu'ils se repentissent. Répondre à la haine par l'amour, le but c'est que ça devienne source de conversion. C'est pas d'être lâche, nul, poire ou j'en sais rien. C'est d'évangéliser, voilà, de vouloir que tout le monde se convertisse. Voilà ce que dit Saint Pierre Chrysologue. Celui qui veut surmonter de mauvais procédés, qu'il saisisse les armes de la bonté plutôt que celles de la fureur. Il est d'une philosophie divine et non humaine de ne pas résister aux méchants et de vaincre le mal par le bien. Il faut que la volonté libre l'emporte sur la contrainte, la piété sur l'impiété. La vertu de piété doit commander aussi impérieusement que la force qui le contraint. Voilà. Vaincre le mal par le bien. Et ça s'appelle une victoire. Ceux qui tendent l'autre joue, ils ne sont pas vaincus, ils sont victorieux. Voilà ce que dit Saint Irénée. À propos de « si quelqu'un te demande de faire 1000 pas », c'est dans le texte de ce dimanche, « si quelqu'un te contraint à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Pourquoi ? Afin de ne pas le suivre comme un esclave, mais de le précéder comme un homme libre. C'est librement que tu choisis d'aimer ton prochain et de répondre en surpassant ce qui est dit dans la loi et qui est observé trop strictement par les pharisiens et les scribes. On prend la loi et on l'accomplit, on a vu ça la dernière fois, en la surpassant. Voilà. La maîtrise de soi. Alors, la deuxième partie du texte, ça va encore plus loin, hein, c'est le fameux amour des ennemis, hein, où il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi ? Ben parce que votre Père des cieux en fait autant, hein, il fait briller son soleil sur les méchants comme sur les bons. Alors là, il faut revenir à
qu'est-ce que c'est que l'amour dans la Bible ? Ben, c'est pas la sensibilité, c'est pas les atomes crochus. La preuve, l'amour, c'est un commandement. Ben, on commande pas les atomes crochus, ni la sympathie, ni la sensibilité. On en est esclave. Hein. On en est esclave. Ça se commande pas. J'ai envie, je le sens, je le fais. J'ai pas envie, je le fais pas. Je le sens pas, je le fais pas. Ça, c'est être esclave de sa sensibilité, hein, ou de ses désirs. L'amour, ou le cœur dans la Bible, c'est l'exercice de la volonté. C'est là que je décide librement de prendre le bon chemin. C'est ça le cœur et pas autre chose. Et je le décide même si en moi, il y a des petites choses qui me disent non, la sensibilité, etc. Et la preuve, c'est un texte du livre des Nombres où Moïse explique, vous savez, tout ça je l'ai fait, c'est pas moi qui l'ai décidé. Hein. Je me suis soumis à la volonté de Dieu, ou plutôt je l'ai décidé parce que Dieu me l'a demandé. C'est-à-dire, c'est pas ma volonté, voilà. Je me suis conformé à la volonté de Dieu. Alors, c'est dans le livre des Nombres 16-28, et je vous donne la traduction mot à mot. Nombres 16-28, Moïse dit « À ceci vous saurez que c'est le Seigneur qui m'a envoyé pour accomplir toutes ses œuvres. » Et que je ne les fais pas de mon propre cœur, dit l'Hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire de mon propre cœur ? Ça veut dire de ma propre volonté. Le cœur, c'est la volonté. L'amour, c'est de l'ordre de la décision. L'amour des ennemis, c'est de l'ordre de la décision. Je décide d'aimer mes ennemis, et on nous dit en quoi faisant ? En priant pour eux. Bon, ben c'est tout. Si je décide de prier pour mes ennemis, ça veut dire que je les aime. La sensibilité, les atomes crochus, ça suit pas, c'est pas grave, c'est pas ça qui est demandé. Hein. Il est demandé de décider de les aimer. Hein. Et en fait, quand même, déjà dans l'Ancien Testament, vous aviez un certain nombre de préceptes concernant l'amour des ennemis. Pas aussi radical que ce que le Seigneur nous dit là, mais quand même. Regardez dans l'Exode, chapitre 23, verset 4, Exode 23, 4 et 5. Si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi qui vague, enfin qui se balade, quoi, tu dois le lui ramener de ton ennemi. Si tu vois l'âne de celui qui te déteste tomber sous sa charge, cesse de te tenir à l'écart, avec lui tu lui viendras en aide. Bon, ça c'est écrit en toutes lettres dans le livre de l'Exode. Dans les Proverbes, chapitre 25, verset 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Dans Saint-Luc, bon, bien sûr, relecture à la lumière du Seigneur Jésus, voilà ce qui est dit, Luc chapitre 6, verset 35. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour, votre récompense alors sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Reprend ce que dit l'évangile d'aujourd'hui. Et enfin, saint Paul, dans l'épître aux Romains, chapitre 12, verset 21. Alors bon, c'est « ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien ». Et avant que fait saint Paul, il cite les textes que nous sommes en train de commenter. Donc voilà ce que le Seigneur demande, de surpasser tout ce qui a été dit ou écrit, surpasser dans un débordement d'amour, et c'est un don du Saint-Esprit. Et je vais terminer avec deux textes, un de Saint Siloane et l'autre de Saint Maxime le Confesseur. Saint Siloane, celui qui aime ses ennemis est semblable au Seigneur. Mais on ne peut aimer ses ennemis que par la grâce du Saint-Esprit. Celui qui n'aime pas ses ennemis ne peut connaître le Seigneur ni la douceur du Saint-Esprit. Quand tu prieras pour tes ennemis, la paix viendra sur toi. Et Saint Maxime le Confesseur, heureux l'homme capable d'aimer tous les hommes également, heureux l'esprit qui a dépassé les créatures et qui jouit sans cesse de la beauté de Dieu. Sœur Claire, merci. Seigneur, toi qui as éclairé le firmament par les yeux.